Salut les potos, c'est le Pitbull de Finality World. Bon, aujourd'hui, after page de duplication, plaque propre, les potos. Donc, pour ça, il vous faut un bureau de PDG avec garage de fonction et atelier de customisation. Dans le garage de fonction, les potos, vous le remplissez délégué RH8 et vous mettez une éléguée rétro custom à fond de préférence. Ça sert à rien de mettre des Deluxo, des T20, tout ça. Vous pourrez revendre que les originales, pas les duplications. Ensuite, les potos, il vous faut le complexe. Donc avec un braquage en cours pour que vous ayez le message du braquage de l'Esther en bleu. Il vous faut aussi un braquage en cours dans l'appartement. Donc pour que vous ayez le, il vous faut le braquage vert et le braquage bleu les poteaux. Donc dès que vous avez ça, il vous faut aussi le centre d'opération mobile. J'ai oublié pour enregistrer les voitures. Donc là les poteaux, on va lancer liste d'activité, activité rapide. Jouer activité rapide seul. Donc là on va la lancer. Dès qu'on va voir 1 sur 2, 1 sur 4, 2 sur 4, on va vite faire option et on va aller dans Play Store les potos. Donc on attend, si vous voyez au bout d'une minute, il n'y a rien, vous le relancez. Donc là option Play Store. Donc on l'ouvre. On se trimballe un petit peu dans les charcartes. On reste environ 10 secondes les potos, 10 à 15 secondes. C'est pas précis, hein, c'est environ. Hein. Donc là on va pouvoir quitter, on quitte tout, on vérifie que le style il est bien grisé, impeccable. Donc là les poteaux, ça y est, ça on n'a plus besoin de le faire. Donc maintenant les poteaux, vous allez accepter le message de Lester, le bleu, celui qui vous emmène au complexe. Donc vous l'acceptez. Donc il vous faut un véhicule dans le complexe qui appartient au complexe. Donc c'est les véhicules qui se mettent uniquement dans le complexe. Donc là vous vous dirigez vers un véhicule et vous sortez avec. Donc moi je vais sortir avec le Cernobog. Vous pouvez prendre le temps, peu importe le poteau, prenez celui que vous voulez. Normalement il devrait être invisible. Donc là il est bien visible sur la minimap. Donc ça a bien marché. Donc maintenant les poteaux, vous vous mettez en PDG et vous appelez votre buzzard d'attaque. Donc pour avoir le message bleu les poteaux, faut être en PDG, sinon vous l'aurez pas souvent. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais mettez-vous en PDG pour avoir le message du complexe. Donc là vous allez vous rendre à votre PDG. Donc hop, vous prenez l'hélicoptère et vous allez au PDG. Donc de temps en temps, vérifiez quand même que le style il est toujours bien grisé.
Soit vous vous posez en bas directement au-dessus du garage, ou soit vous vous posez sur le toit, hein, c'est vous qui voyez les poteaux. Donc là, les poteaux, vous descendez dans votre garage de que vous avez les où vous voulez dupliquer les voitures. Donc moi, pour ma part, c'est le 3. Donc vous montez dans une Elegy Retro Custom et vous faites flèche de droite. Donc là vous allez changer la couleur de la plaque, les poteaux ou le klaxon, peu importe, la couleur de la plaque c'est ce qui coûte le moins cher. Une fois que c'est fait, vous descendez du véhicule. Vous remontez, vous faites flèche de droite. Et normalement, ça vous ramène dans votre garage sans passer par le menu. Là, vous avez bien les duplications et poteaux, mais pour le moment, c'est toujours une plaque sale. Donc là, on descend et on accepte le message de Lester, le vert cette fois, donc celui de l'appartement. Dès que vous êtes là, les poteaux vous faites rond et vous sortez de l'appartement. Donc la duplication est bien là. Donc, maintenant, vous appelez votre centre d'opération mobile. Donc dans le centre d'opération mobile, les poteaux, il vous faut une Elegy RH8 hein, à l'intérieur. Vous y allez, flèche de droite, vous écrasez les Elegy. Donc là, vous attendez le rond de chargement jaune, les poteaux. Vous redescendez. Donc là j'ai une nouvelle plaque les poteaux, j'ai pris la plaque de l'Elegy RH8, donc c'est bon, là c'est une plaque propre. Donc là les poteaux, vous pouvez vendre 5 à 6 véhicules par jour, pas plus, un véhicule toutes les heures maximum. Donc vous vendez pas minimum, vous vendez pas plus d'un véhicule par heure les poteaux. Donc là vous le re-rentrez une deuxième fois, très important. Vous attendez le rond de chargement jaune. Vous sortez. Et là les poteaux, vous avez plus qu'à la remettre dans votre garage de fonction 3. L'échange avec une Elegy RH8. Comme ça, l'Elegy RH8 ira directement dans le centre d'opération mobile. Vous acceptez le message de Lester du complexe. Vous remontez dans un véhicule et ainsi de suite. Vous avez plus besoin de refaire... De vous refaire bugger avec le braquage de la fin du monde. Donc là.
RH3. Donc je confirme. Et je les change, continuer les guerres à suite. Et voilà les poteaux. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'était la duplica la l'original. Et là la duplication. Donc comme vous pouvez voir, les plaques c'est pas les mêmes. On va voir si derrière on voit mieux. Voilà, là ça finit par 349. Celle-ci 585. Donc voilà les poteaux. Par contre, si vous avez des plaques propres, des plaques iFree, les poteaux, ou des plaques blanches, vous n'avez pas besoin de passer par le centre d'opération mobile. Vous revenez directement ici, vous les changez avec une éléguière à suite. Et c'est bon les poteaux. Ok, mais seulement pour ceux qui ont des plaques iFree ou des plaques sales. Ceux qui n'en ont pas, qui veulent faire des plaques propres, vous faites ce que je viens de vous faire voir les poteaux. Donc voilà, c'était Fidelity Ward. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à vous abonner. Et si vous souhaitez nous rejoindre sur notre groupe Facebook, vous êtes les bienvenus les poteaux. A plus, ciao ciao.